Bonjour mes tutus, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on est le 10 du 12 décembre et on va s'ouvrir les calendriers de l'Avent. Aujourd'hui elle sera mise un peu plus tard que d'habitude, mais le jeudi. Et vous allez avoir aussi... Le vendredi, je serai de la même, même pull et tout ça, c'est parce que je dois les ouvrir à l'avance. Demain, je serai très occupée, j'aurai vraiment pas le temps de l'ouvrir le jour même. Du coup, je pense que je vais les faire en suivant et la programmer. Comme ça, vous l'aurez demain matin. Je pense que je la mettrai pour 8h30. Ça, c'est une belle heure. Bon, sur ce, on va s'ouvrir le premier calendrier que j'ai. Aujourd'hui, Facebook il ne va plus. Il n'y a rien qui va. Du coup, on va s'ouvrir la case numéro 10. J'allais dire c'est celle-là, mais c'est la 9. La case numéro 10, elle est ici. C'est une toute petite case, regardez ça. Qu'est-ce qu'on va voir dans la petite case? Oh, j'arrive même pas à la voir. J'arrive pas à la voir. Oh, ça va pas recommencer. Hein. Il y a des trucs qui sortent du calendrier et d'autres on sait pas avoir. Allez. Non, il est contenu par un scotch. Allez, tu dois ouvrir le calendrier. Du coup, j'ai défoncé quand. Il veut pas se montrer, mais c'est pas grave. Comme ça, je pourrais faire tuk après. Allez, on fait partie. Bon, ils sont toujours derrière moi. C'est plus ennuyant parce que j'ai pas de place nulle part. Là, je suis coincée avec ma chaise. Oh là là, c'est fatigant. Bon, on va s'ouvrir le meilleur pour le début. La case numéro 10 qui se trouve... j'ai la 11, ça c'est pour demain. On va attaquer le petit pont. Et ça va être un bueno. Un petit morceau de bueno. Voici et vois ça. Voilà. Un petit bueno. Bon, je prends ce qui me vient en main. Celui-là aussi, il faut tout défoncer. Il est fait par là. Du coup, on va foutre un morceau de papier qui est là près de vous. J'essaie de ne pas vous bouger en même temps. Allez, viens, moi. Ça m'embête. Hop. Bon, j'aurais mis plus ou moins. Du coup, on a ouvert 1, 2, 3, 4. Du coup, on va ouvrir la 5. Ah, ben non, la 5 est déjà ouverte. Eh ben oui, c'est celui d'hier. Du coup, c'est le numéro 6 qu'on va s'ouvrir. La forme me fait penser à un petit œil. C'est une bouche bien épaisse. Elle est plus grosse que les autres, je trouve. Regardez ça. Elle est belle, ma bouche. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Non, c'est mis comme ça. Je me trompe. Elle est très belle et fort grosse. Je n'ai pas ici, faut par là, mais elles sont aussi bonnes que les autres. Par contre, les calendriers sont super bons. Bon, on va garder les figurines pour la fin. On va s'ouvrir la petite bougie qui vous déçoit jamais. Hop là, j'ai la petite bougie, et du coup, elle est blanche. Elles sont pas comme ça. Non, ça, je sens. Ah,
motivation maintenant. Et en fait, ça sent plus fort que la bougie, c'est pour ça. Du coup, ben, c'est logique que je ne m'entends pas. Du monsieur qui râle, mais que, j'ai râlé, j'ai dit, oh, j'ai pas de message à midi. Et maintenant, il me dit, mais oui, mais toi non plus, mais j'ai pas d'internet. Bon, j'espère que je vais savoir mettre la vidéo quand même en ligne. C'est ça qui va m'ennuyer. Enfin, l'internet va, c'est Facebook qui ne va pas du tout. Du coup, la case de disque qui se retrouve juste ici. Hop. Dans un petit sachet blanc. Je sais, je me suis fait spoiler. Aujourd'hui, je me suis fait spoiler. Enfin, presque tous les jours, presque. Mais on est un peu déçus du calendrier d'Harry Potter. Moi, non, parce que je ne les ai pas eu l'année passée. Mais on les... Enfin, c'est pas Harry Potter que je viens d'ouvrir. Je biaise, moi. C'est Jack. Du coup, comme j'avais dit hier, on a le troisième petit... le petit monstre. Les trois petits monstres. J'ai trop... Je sais pas pourquoi je vous parle. J'ai pas... On a ouvert l'autre hier et l'autre avant-hier. Du coup, je me demande ce qu'on va avoir demain. Parce que je ne sais pas. Pour moi, ça sera après. Allez, on va s'ouvrir le calendrier d'Harry Potter. Ouais, si je le prends dans le mauvais sens. Hop. Du coup, on va s'ouvrir la case numéro 10 qui est juste ici. Hop. Je le referme dans un petit sachet vert. Je disais que j'ai regardé plein de petits gens, enfin plein de petits gens, plein de personnes qui ont fait le calendrier depuis 3 ans et ils sont déçus de celui-ci parce que c'est des doublons. Et moi je les ai pas parce que je les ai pas fait. C'est le chat de qui? Qui est ce petit chat? Non, il est très beau. Bon, si on ne connaît pas Harry Potter, ça s'appelle petit chat. Vous voyez, il y a rien de petit chat dans Harry Potter. Franchement, je ne suis pas déçue. Vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et on se retrouve demain pour la case numéro 11. J'ai plus assez de mains, désolé, c'était la dernière main, dernière où j'ai utilisé un truc. On va faire 11 pour moi, ce sera maintenant et pour vous, ce sera demain parce que demain je n'aurai pas le crédit. Du coup, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain matin pour la case numéro 11.